Très chers fidèles téléspectateurs, grande est notre joie de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission, votre magazine 2 milliards de chrétiens. 2 milliards de chrétiens élevant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'émission qui étend son royaume dans toutes les extrémités du monde. 2 milliards de chrétiens, avant tout, les rendez-vous avec le Seigneur et on se retrouve tout juste après. Je réponds au nom de François-Xavier Ndiboumoulamba. Je suis le représentant légal de l'église La Puissance du Saint-Esprit, située dans la commune de Mongafula, dans le quartier Kimboa, et plus précisément encore dans le quartier qu'on appelle le quartier Mideda, sur l'avenue Safi, au numéro 18. Comme référence, c'est lorsque vous venez de Mboudi, vous prenez la moto ou le véhicule vers l'arrêt qu'on appelle terminus. Vous empruntez la route de l'Outendele. Vous descendez au niveau de l'avenue Sankuru ou au niveau de ce qu'on appelle communément arrêt Saddam. Alors vous entrez à droite. C'est là que vous trouverez le siège social de l'église, la puissance du Saint-Esprit. Là où nous sommes visionnaires. On peut facilement nous atteindre au numéro +243 81 31 82 822 ou encore +243 89 781 30 76. De retour dans notre plateau de 2 milliards de chrétiens dans lesquels nous recevons pour vous un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, c'est Dr Christian Bivan Bialoa, responsable de l'église Agapao Gospel Tabernacle. C'est avec cet homme de Dieu que nous allons parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour mon frère, welcome. L'homme de Dieu, nous revenons encore auprès de vous parce que ça fait déjà un long moment où vous ne vous êtes pas présenté auprès des nombreux téléspectateurs, de 2 milliards de chrétiens qui nous suivent de partout, Kinshasa-Brazzaville, et voudraient aussi à cette occasion consommer ce que le Seigneur a mis dans votre cœur pour l'édification de leur âme. L'homme de Dieu, j'aimerais vraiment vous recevoir, mais je vais vous recevoir avec cet élément. Mais ça va nous aider cet élément parce que ça va nous donner certains éléments qui nous permettra de vous aborder par rapport à ce que le peuple de Dieu voudrait vous attendre de nous, nous qui sommes ici, nous qui sommes leurs représentants à ce stade ici. L'homme de Dieu, suivons d'abord cet élément, je demande à la réalisation Platini Samba de nous balancer l'élément qui est au niveau de la régie et on se retrouve donc tout juste après. Ceux qui ont pris la Sainte Seine récupèrent de l'autre côté et nous allons faire en chaîne et sorte qu'on puisse faire les lavages de Dieu. Tu as lavé les disciples
mais on voulait refuser de lui dire si tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. Nous l'avons fait en commencement de notre école, comme tu l'as dit. Voilà l'homme de Dieu, moi je n'ai pas vraiment de commentaires à faire par rapport à cet élément.
Vous avez vous-même vu, je ne voulais pas commenter, mais un petit commentaire par rapport à ça. Il s'agissait de quoi exactement? C'était dans quelles circonstances? Essayez un peu de nous circonscrire. Cet élément que nous avons vu ici, c'est cette vidéo que nous venons tous regarder ici dans 2000 ans des chrétiens. Okay. Merci vraiment mon frère pour cette occasion. De toute façon, cette vidéo ici, c'était dans la commémoration de notre premier anniversaire. C'était dans notre église, Agapao Gospel Tabernacle. Nous avions organisé la communion fraternelle. Et quand on parle de la communion fraternelle, il y a l'aspect spirituel, il y a aussi l'aspect physique. Dans l'aspect physique, c'est ce que nous appelons la Sainte Cène. La Sainte Cène, c'est l'ensemble des pratiques que nous trouvons le Seigneur en train de réaliser au moment où il était en train de célébrer dernière Pâque avant d'être crucifié. La Pâque, vous savez, ça a été institué depuis l'Ancien Testament. Okay. Les enfants d'Israël célébrer la fête de Pâques, c'était la fête des pains sans levain. Alors c'était une recommandation divine, c'était une institution divine. Et le Seigneur, quand il est venu, il était en train aussi de pratiquer continuer à observer cette pratique là. C'est comme ça que la dernière Pâque, il a demandé à ses disciples d'aller et demander un endroit où nous pouvons organiser ça. Alors, parce que lui, il ne fréquentait pas encore l'église, les temples là-bas non plus. Et il organisait ça là où il pouvait se retrouver avec ses disciples. Okay. Donc, quand on organise ça, c'est soit dans une église, soit dans une salle que vous avez préparée pour observer cette recommandation divine. C'est comme ça que nous avions organisé ça dans notre salle de prière, là où nous nous réunissons. Et c'est comme ça que nous avons fait la Sainte Cène. Après la Sainte Cène, nous avons fait le lavage des pieds. C'est de cette façon-là que nous avions célébré notre premier anniversaire avec la parole de Dieu, avec la communion fraternelle. Communion fraternelle, oui. Ah, l'homme de Dieu, nous tous nous avons vu la vidéo. Cette vidéo, d'ailleurs, la réalisation, aussi longtemps que nous allons toujours parler... Il va à chaque fois nous balancer la vidéo, c'est pas un problème. Mais l'homme de Dieu, ce qui nous intéresse, je suis des téléspectateurs, avec cet homme de Dieu, le docteur Christian Buvan Bialois, nous allons parler de ce thème, la communion fraternelle, lavage des pieds. Et le lavage des pieds. Okay. La communion fraternelle et le lavage des pieds. L'homme de Dieu, la communion fraternelle, lavage des pieds, vous venez donc des... Expliquer déjà la communion fraternelle, tout ça sur le plan spirituel, sur le plan physique. Vous avez parlé des saintes scènes, mais ce qui nous intéresse vraiment ici, ce qui nous amène vraiment ici, l'homme de Dieu, c'est ce que nous avons vu là, l'acte que nous avons vu là. De laver les pieds. De laver les pieds des fidèles, les pieds du peuple de Dieu. Mais ça signifie quoi, l'homme de Dieu? Quelle signification? En tout cas, moi, je vois que ça sort de l'ordinaire. Dans un kit comme ça, on commence à laver les pieds. Ça veut dire quoi, l'homme de Dieu? Merci, mon frère, pour cette question-là. C'est dans la parole de Dieu que ça se trouve. Dans la parole de Dieu? Bien sûr, le lavage des pieds, nous tirons cela à partir des Écritures saintes. Je peux lire ça dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 4 jusqu'au verset 17. Jean, chapitre 13, verset 4 jusqu'au verset 17. Ok. Je peux lire intégralement ce qui est écrit. S'éleva des tables, ôta ses vêtements. Là, on parle du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est levé de la table, c'est-à-dire de la Sainte Cène, et il a ôté ses vêtements et pris un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, mais lavez-moi les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas. » Ok. Maintenant,
Mais tu les comprendras bientôt. Mmh. Il dit que ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Comme Jésus est en train de faire là. Là, c'est Jésus Christ. C'est Jésus qui reproche Pierre. Pierre refusait. Oh, toi, le maître, moi, c'est moi qui peux laver les pieds. Tu ne peux pas me laver les pieds. En principe, quand quelqu'un lave les pieds, c'est l'inférieur qui lave les pieds des supérieurs. C'est ça la logique. Maintenant, Pierre a trouvé que le maître lavait les pieds des disciples. Ça sort de l'ordinaire. Voilà. Ça, c'est quelle humilité. Donc, tellement que Jésus est en train de leur montrer l'humilité parmi les frères dans la communion fraternelle. Alors, il a dit, tu comprendras cela bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Oh. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Oh. Quelqu'un qui refuse cet acte-là, il n'a pas de part dans la communion fraternelle. Le Seigneur dit, si tu ne fais pas cela, tu n'auras pas part avec moi. C'est-à-dire, tu quittes dans le rang de mes disciples. Donc, un chrétien qui refuse cela, il quitte le rang selon le sens de ce que le Seigneur est en train de reprocher à Pierre. Vraiment. Alors il continue, il dit, Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, comme il en est ainsi, mais encore les mains et la tête. Pierre a zokende kuluka makambo. Il cherche toujours à ce que le Seigneur puisse aller loin. Il lui dit, comme vous voulez, mais lavez les pieds, que ce ne soit pas seulement les pieds, que ce soit aussi les mains et la tête. Oh. Écoute, la discussion continue. Jésus lui dit, c'est en présence de tous les autres, de tous les autres disciples. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes déjà pur, mais non pas tous. C'est vrai que Bosokoli, vous vous êtes lavé déjà, mais parfois, ce n'est pas tout le monde. Car il connaissait celui qui les livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Vous voyez l'aspect qu'on nous donne encore. Donc, quelqu'un qui refusait, on dit, mais attention, il ne faut pas refuser. Parce que parmi vous, il y a un qui n'est pas seulement pur de l'âme, pur de l'esprit, pur du cœur. Cet acte-là va tout droit au cœur. Alors, ça continue. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Il leur a posé la question, est-ce que vous avez compris cet acte-là de laver les pieds? Je pense qu'ils vont dire, non, parce que même Pierre ne comprenait pas. Alors, écoutez, Jésus dit, n'est-ce pas que vous m'appelez maître et Seigneur? Et vous dites bien, parce que je suis votre maître. Il dit, je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi laver les pieds les uns les autres. Oh, oui. Il dit quoi? Vous devez, c'est un devoir sacré. Le Maître a lavé les pieds. Il dit que vous m'appelez Maître, je vous ai lavé les pieds. Maintenant, vous dites bien, c'est vrai, je suis votre maître. Mais moi, maître, je vous ai lavé les pieds. Je suis devenu comme votre esclave, vraiment, comme inférieur à vous. Maintenant, si moi, je l'ai fait, alors vous. Donc, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Donc, vous êtes les mêmes. Considère ton frère là comme supérieur à toi. Tu lui laves les pieds. Okay. Même si c'est ton fils. Dans le Christ, nous sommes tous frères. Ne viens pas avec un sentiment de supériorité là-bas, dans la communion fraternelle. C'est ça ce qu'on nous apprend ici. Alors il dit ceci, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il dit quoi? Il a donné un exemple afin que nous fassions comme il a fait aux disciples. Il dit, vous devez faire ce que j'ai fait. Il continue, il dit, en vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Voilà.
Vous devez les pratiquer. Vous serez heureux. Donc, il y a des bénédictions derrière cette pratique-là de lavage. Lavage des pieds. Des bénédictions divines. Ah, l'homme de Dieu. Que les gens n'arrivent pas à découvrir. Quand vous abandonnez ça, le Seigneur bénit à partir de l'observation de ses recommandations. Quand vous voyez une recommandation divine, pratiquez ça. Il y a des bénédictions derrière. Quand vous négligez des bénédictions. Parce qu'il n'y a rien pour Dieu. Quand il donne une condition, il y a une bénédiction. Mais l'homme de Dieu, la pratique ici du lavage des pieds, et ce n'est pas lié aux coutumes juives. Est-ce que vous nous amenez encore dans l'ancien temps-là? Parce que Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Mais dans son 100% Dieu, est-ce qu'il n'était pas influencé dans la notion de culture, la notion culturelle juive? Et ce qui fait qu'à un moment donné, il commençait à laver les pieds. Mais actuellement, nous sommes dans le temps de la grâce. On peut toujours, et c'est important de pratiquer ces genres d'actes ici, de mettre ça en pratique comme ça, alors que nous, c'est le cœur, nous, l'homme de Dieu. Merci, mon frère, pour la question, je comprends. De toute façon, si le Seigneur a fait, il a dit, j'ai fait ça comme exemple pour vous. Comme exemple? Voilà. Vous vous souviendrez quand il a dit, je vous recommande d'observer ça jusqu'à ce que je vais me retrouver avec vous dans la gloire. Oh. Pour la Sainte Cène, là, il a recommandé aux disciples de continuer à les faire, à prendre la Sainte Cène, à pratiquer la Sainte Cène jusqu'à ce qu'il va se retrouver avec eux dans la gloire. Et la Sainte Cène est toujours accompagnée de lavage des pieds. Accompagnée. Parce que ici on nous dit quoi? Quand il a terminé à la table, il est allé mettre l'eau dans le récipient ou dans un bassin, il a lavé le pied. Ah donc, et c'est comme ça, ça marche de pair. Ça marche de pair. Donc c'était juste après la table du Seigneur. Du Seigneur, après la communion, directement, il est allé. Voilà. Ces deux actes-là s'accompagnent au même moment. Ça va de pair. Tous les deux-là marchent de pair. Les deux actes vont de pair. Mais vous avez dit que ce n'est pas la pratique juive. De toute façon, à l'Orient, ils ont la compréhension de la Bible est différente de la compréhension en Occident. Nous sommes du côté de l'Occident. En Orient, ils avaient des pratiques. Pour recevoir quelqu'un, pour qu'on puisse trouver qu'on a reçu quelqu'un avec bonté, avec gentillesse, avec humilité, il faut toujours laver ses pieds. Vraiment. C'est pourquoi, même si je vais vous ramener dans l'Ancien Testament, Abraham a pratiqué le lavage des pieds. Vous trouvez que même Abraham a pratiqué le lavage des pieds. Mais attaché à leur coutume. Ah, nous n'avons pas besoin de ça. Écoutez, chrétien, tu n'es pas lié aux coutumes là. Ce que Abraham a fait, c'était acte de bienveillance, d'humilité et d'hospitalité pour recevoir quelqu'un. Et tout comme ce que Jésus a fait aussi. Écoute, quand Jésus a fait ça, il a montré aux autres qu'il faut garder cette bienveillance-là. Ok. Hospitalité et considération de l'autre. La courtoisie. Dans la communion fraternelle, il y a beaucoup de leçons qu'il faut tirer. On ne prend pas la communion, vous ne vous parlez pas avec les uns, les autres ont la haine contre les autres, ils ne se parlent pas, mais ils viennent quand même à la table. C'est pourquoi Paul a dit, faites attention, si vous prenez ça mal, c'est à cause de ça qu'il y a des infirmes, des infirmités, des diverses façons au milieu de vous. Vous attrapez des malédictions parce que vous n'avez pas compris l'acte que vous posez. Il faut discerner. Et il faut pratiquer cette bienveillance dans la communion fraternelle. L'hospitalité, l'humilité,
L'humilité. Humilité. Donc c'est vraiment un enseignement que Christ voudrait. La pratique de lavage de pieds, ça englobe beaucoup de leçons morales. Parce que nous, comme Pierre, nous ne comprenons pas, comme Pierre. Pierre a trouvé finalement, que le maître voilà. Veut nous enseigner quoi, ce maître ici. Ah, Pierre, c'était un juif. Il a compris que celui qui peut laver les pieds de l'autre, c'est celui qui est inférieur. Pas un supérieur. C'est un inférieur qui lave les pieds des supérieurs. Mais il dit, oh, mais toi le supérieur, notre rabbi, notre chef, tu vas descendre pour nous laver les pieds. Tu veux nous faire quoi vraiment? Ça, c'est nous amener nous coincer. Vraiment. Alors Jésus est en train de leur dire que si moi le maître, je vous lave les pieds, alors vous, à combien plus forte raison, vous maintenant, les disciples, vous devez le faire. C'est pourquoi il a dit, vous devez le faire les uns, les autres. Vous lavez les pieds. Voilà, la pratique de lavage des pieds, c'est depuis l'Ancien Testament. Donc, mais ça ne peut pas rester, parce que vous m'avez posé la question, est-ce que nous ici, dans le Nouveau Testament, nous sommes alors chez les Occidentaux, nous pouvons, nous les païens, les gentils, nous n'avons pas besoin de ça, c'est la grâce. Là, ça, est-ce que ça nous intéresse? Mais pas là-bas, nous sommes les cœurs, vous prêchez directement les cœurs. Voilà. Pas des pratiques. Voilà, il y a une chose. Dans ce qui concerne les ordonnances, qu'on appelle les sacrements autrement, Dieu nous a laissé 3 sacrements. Ok. Nous avons le baptême d'eau. Parce que lui-même a dit dans Matthieu 28, allez prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui vont croire, baptisez-les. Et baptiser, c'est un acte spirituel, mais physique aussi. Oui. On baptise quelqu'un qui croit. Et quand quelqu'un croit, tu ne le laisses pas comme ça. Oui, c'est fini, il croit. Non. Tu dois l'amener dans les eaux du baptême. Je sais à la fois physique et spirituel. Très bien. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et quand quelqu'un a entendu la parole de Dieu et a compris et se décide pour s'engager à continuer à observer ou à croire cette parole, il doit montrer ça tout haut. C'est-à-dire publiquement que j'ai accepté cette parole-là. Okay. Et la façon de manifester ça, c'est en acceptant les eaux du baptême. Il entre dans l'eau, il accepte d'être mouillé dans l'eau. C'est ça. Bon, il y a des églises qui négligent le baptême. C'est une ordonnance. On a dit on doit baptiser. Ça, c'est un. De deux, à part le baptême, nous avons la Sainte Cène. Prendre la communion, organiser la table du Seigneur. Comme nous disons. Oui. Et maintenant, troisième ordonnance, c'est le lavage des pieds. Nous en avons 3. Lavage des pieds. Voilà. Sainte-Sainte, lavage des pieds. Voilà. Les 3 là, ce sont des ordonnances ou des recommandations divines, mais qui sont physiques, palpables. Et rentrer les gens dans les jambes des pasteurs pour la délivrance, ça n'a pas été donné. Ça peut être aussi une recommandation. Et qui a recommandé ça? Quand j'ai prié. Quand j'ai prié, Dieu m'a dit que je dois faire non, ça. Non. Nous devons imiter les messagers qui ont posé des fondements. Ok. Paul a fondé les fondements, a posé, a dit, vous viendrez construire là-dessus. Si vous amenez d'autres pratiques de chez vous, ça n'engage pas les fondements, la foi. Fidèles téléspectateurs, nous sommes avec l'homme de Dieu, le docteur Christian Bivan Bialoa. Et avec cet homme de Dieu, nous parlons de la communion fraternelle et lavage des pieds. Voilà. L'homme de Dieu, ça vous avez ouvert une brèche. Moi, je pense que, est-ce que nous pouvons assimiler? Parce qu'à ce moment ici, il y a un prophète, hein? Il y a un prophète qui est là en train de nous suivre à cet instant, qui lave aussi les gens. Lavage toujours. Puis toi, tu parles de Pierre. D'ailleurs, Pierre était quand même inspiré. Pierre a parlé, vous, au lieu de me laver les pieds, lave-moi les aussi. Mais la tête. Il y a des prophètes qui lavent tous les corps, ah bon? Sous prétexte que pour que vous ayez la chance pour le mariage, la chance pour le travail. Nous pouvons assimiler ça aussi au lavage des pieds, l'homme de Dieu. Merci, papa. Ça, on ne peut pas assimiler, on n'associe pas un acte comme ça. Les recommandations que le Seigneur nous a laissées, c'était lavage des pieds. Oh.
Lavage des pieds, lavage de non. Corps. Lavage des corps, ça c'est peut-être une inspiration individuelle. Pour avoir la chance. Non, nous ne pouvons pas. Travail, nous nous pratiquons mari, ce que le Seigneur nous a recommandé. On te lave tous les corps. Le Seigneur a dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous lave tout le corps. Ce sont les pieds que je vais laver. En lavant les pieds, c'est un acte qui signifie on doit garder l'humilité. Il faut considérer votre semblable. Il y a vos collègues pasteurs et prophètes qui les pratiquent, hein, je ne sais pas. Ah, peut-être qu'il a une recommandation prophétique. Hein. Il vous lave. Et ça, ce n'est pas à généraliser. Sérieusement, vraiment, lavage sérieux, vraiment. Il lave seulement les hommes ou bien les femmes? Généralement, il y a les hommes, mais surtout aussi les femmes. Hein. Et qu'il faut, vous avez l'occasion, dès là, quand vous sortez, vous pouvez avoir la chance d'avoir le mari. Donc, souvent, le mariage, c'est les le femmes. Travail, tout ça, ainsi de suite. Lui, un homme, il va laver une femme d'autrui. Suivant la recommandation divine, selon. Cet homme de ça, Dieu. Je n'ai pas vu le Seigneur le faire. S'il avait aussi lavé Marie, ou plutôt Marthe et les autres femmes qui étaient là, on allait écrire. Parce que les Luc, Matthieu, c'était des scribes, les évangélistes là. Leur travail, c'était de voir un acte comme ça que Jésus a posé. Ils écrivent. Nous allions voir ça. L'homme de Dieu, nous avons vraiment compris, on a saisi la signification de cet acte ici, lavage des pieds, parce que ça nous étonnait, mais l'homme de Dieu nous... Nous avons compris, mais où est-ce qu'on va, on va laver ces pieds-là? On va les laver où? Où est-ce qu'on peut pratiquer? Le lavage des pieds, nous devons faire ça. Là où nous organisons la Sainte Cène. La Sainte Cène, comme le Seigneur l'avait fait, il a demandé à ses disciples d'aller solliciter une salle chez quelqu'un. Et on a organisé bien là, ils ont bien placé les chaises et qu'on soit table. Avec ses disciples, ils se sont mis, ils ont commencé à prendre la Sainte Cène. Et après la Sainte Cène, là, que nous appelions la fête des pains sans levain, c'est comme ça que il s'est mis debout là-bas, dans la même salle là. Il a commencé à laver les pieds, il a mis de l'eau et puis il a commencé à laver les pieds des disciples. On fait ça au même endroit où vous allez prendre la Sainte Cène. C'est-à-dire, ça peut être à l'église, dans une église, ça peut être dans une salle bien organisée, là où vous priez. On n'a pas seulement dit que ce soit dans les cathédrales ou je ne sais pas, dans les temples, je ne sais pas comment, là où vous organisez la prière. La prière. Cette prière spéciale pour prendre ou partager le pain de Dieu, la communion divine. C'est là où vous devez pratiquer aussi le lavage des pieds. Donc, des bassins, de l'eau, tout ça, on doit voir autant de gens que nous avons, autant de membres. Peut-être qu'il y aura aussi des visiteurs, des chrétiens qui peuvent venir. Alors, ça doit être les bassins, on place de sorte que les sœurs se lavent les pieds, les frères se lavent les pieds. Parce que ce ne sera pas bien que les hommes commencent à laver les pieds des femmes, des femmes. Ça va être du toiboui là-bas. Il faudrait qu'il y ait de l'ordre, les femmes entre elles. Parce qu'après tout, après avoir terminé, s'embrassent. S'embrasser, c'est saluer. Paul a dit que saluez-vous par un saint baiser. Il faut s'embrasser. Les sœurs entre elles peuvent s'embrasser, c'est saluer. Les hommes aussi, après avoir fait ça, prient ensemble et s'embrassent. Donc, l'homme de Dieu, donc, ce lavage des pieds, c'est, disons, c'est les pasteurs qui commencent à laver. Ce n'est pas seulement le pasteur, bien sûr, il doit être qui peut, aussi. Qui peut laver les pieds? Voilà. Qui peut laver les pieds? Qui a cette prérogative de laver ces pieds-là? Le lavage des pieds, c'est pour tous les chrétiens, tous les croyants, je vais dire tous les membres de cette église-là, et les pasteurs et ses brebis, confondus. De la même manière que le Seigneur l'a fait, était confondu dans les disciples. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur aussi, c'est un frère. Bien qu'il est conducteur spirituel de ces brebis-là, mais il doit, à ce moment-ci, il doit aussi se sentir petit devant ses disciples-là ou devant ses brebis. Il doit laver leurs pieds. C'est comme ça que parfois, s'il y a beaucoup de serviteurs, on organise peut-être que les diacres, le pasteur et consorts se lavent les pieds. Mais si vous n'avez pas tous ces serviteurs-là,
vous allez vous mettre ensemble avec les frères qui sont dans l'église. Parce que d'après toi aussi, tu es frère de ces frères-là. Tu ne dois pas te sentir supérieur, c'est ça le problème. Le Seigneur, le maître s'est fait petit, il a lavé les pieds des disciples. Maintenant, toi, pasteur, tu vas dire, non, les brebis, vous venez seulement me laver, moi, je ne dois pas vous laver. Non, tu dois être un pasteur inspiré. Vraiment. De la même manière que le Seigneur l'a fait, tu vas aussi le faire. Alors, tout celui qui prend part à la communion, qui prend la sainte scène du Seigneur, il doit aussi passer à la deuxième étape de faire quoi? Donc il y a un préalable. Oui. Il y a une condition avant. Oui, oui, si tu n'as pas pris la sainte scène, tu ne peux pas aller faire le lavage des pieds. Oh. Là, non, là, cette pratique-là n'est pas correcte. C'est celui qui a pris part à toute la sainte scène. La sainte scène, c'est quoi? C'est l'ensemble. La communion et le lavage des pieds. Tout ça, c'est ce que nous appelons la sainte scène. Donc on ne peut pas les dissocier. Non, il faut les mettre. Prenez votre sainte scène. Et vous allez passer à la deuxième étape, lavage des pieds. Voilà. Tout le monde. Je peux prendre la sainte scène et je tu négliges le lavage des pieds. Mais le Seigneur a dit que si tu ne pratiques pas ça, tu ne mérites pas d'être parmi les disciples qui doivent être avec moi. Donc c'est un tout. Ou tu dois faire tout, tu dois passer par tout. L'homme de Dieu, c'est vrai, nous comprenons petit à petit les écailles tombent. Ça c'est vrai, mais l'homme de Dieu, à quel moment peut-on exécuter cette recommandation? Nous trouvons que la fête des pains sans levain chez les enfants d'Israël, c'était une commémoration annuelle. Une commémoration annuelle, ça signifie, si on a célébré ça à ces mois ici, parce que chez les enfants d'Israël, on célébrait ça au mois d'avril. Hein. C'était ça le mois que Dieu avait recommandé à Moïse d'organiser ça quand ils sont sortis de l'Égypte. Il a dit, vous allez trouver ça dans Exode chapitre 12, vous allez trouver que c'est là où on a institué la Pâque. Et ils devaient observer la fête des pains sans levain à chaque mois d'avril, à cette date bien précise. Et c'est ce que le Seigneur a pratiqué parce que sa dernière fête de Pâques, il dit, j'ai beaucoup désiré ce moment pour célébrer cette fête, cette dernière fête de Pâques. Au mois d'avril toujours. C'était au mois d'avril, Jésus est mort au mois d'avril. Vraiment. C'était au mois d'avril. Et c'est ainsi que quand il a célébré ça, c'était terminé, il est parti. Maintenant, les disciples, quand ils sont restés, ils devraient continuer à observer cette fête de Pâques en mémoire du Seigneur. On n'a pas dit chaque jour, on n'a pas dit chaque semaine, pas chaque mois, mais que ça soit organisé bien dans une année, même une fois seulement. C'est comme ça que moi, personnellement, je trouve que le moment indiqué, c'est le mois d'avril. Mois d'avril. Mais là, vous voulez me dire concrètement, on doit les célébrer combien de fois? Ah, ok. D'après moi, je trouve qu'on peut les faire. Ça dépend du visionnaire de l'église, bien. Bon, je ne sais pas. Il y a des églises organisées où le leader dit, ok, vous devez organiser à tel moment. Il a déjà donné le timing ou le calendrier. Oui, le calendrier. Mais sur le plan spirituel, en tant que chrétien, regardons ce qui s'est fait. Une année ne peut pas passer sans que vous ayez célébré la Sainte Cène même une fois. Même une fois. Voilà. Maintenant, les gens qui ont des moyens peuvent le faire même deux fois, trois fois, comme ils veulent. Mais une fois, c'est indiqué pour tous les chrétiens. Ça doit être organisé. C'est une Sainte Cène. Ça doit être organisé. Donc, on prépare les gens avant d'aller affronter ça. Et sinon, ça doit être accompagné de lavage. Papa, et ça doit être accompagné comme vous le dites là. Maintenant, je ne sais pas ce qu'on prend là. La communion seulement, c'est tout. Et puis, lavage des pieds, on ne fait pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On doit respecter ça comme ça a été fait. Tous les chrétiens doivent respecter ça correctement. Mais l'homme de Dieu, tous les chrétiens doivent respecter cette recommandation, le mettre en pratique, l'exécuter vraiment à la lettre, comme vous l'avez si bien dit. Comment dans la pratique, comment on va organiser ça dans la pratique? Ça va se passer comment? On fait quoi? On achète quoi? On fait quoi? Pour faire,
pour faire le lavage des pieds, lavage des pieds, on fait avec de l'eau ordinaire, au robinet. L'eau ordinaire. Ou l'eau ordinaire. Mmh. Et on a des bassins, on prévoit de l'eau dans un fût ou je ne sais quoi, ou au robinet. Mmh. À tout moment que vous êtes en train d'utiliser le bassin, on lave les pieds, on enlève, ça devient sale, n'est-ce pas? Oui. Vous prenez une eau propre avec du savon. Moi, chez moi, j'ai utilisé le savon liquide. Et avec le savon liquide, on peut rincer bien les pieds de quelqu'un avec essuie-main, on essuie. Et c'est tout. Et on prie. On a fait ça parce que c'est la recommandation du Seigneur. Chez les autres, on ne fait pas comme ça. Nous le faisons comme Frère Branham l'a fait. Nous sommes des croyants du message. Ah. Et nous sommes des chrétiens. Vous le faites parce que Frère Branham a fait, ou bien vous le faites parce que vous devez respecter la recommandation de notre Seigneur Jésus? Très bien, merci pour la question. Nous, le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, nous ne l'avons pas appris au séminaire. Ok. Comme les autres font les séminaires pour apprendre, je ne sais pas, la théologie. On nous a prêché le christianisme. Et le christianisme a des exigences. C'est, voici celui qui vient, qui a été, comme Jésus a dit, celui qui vous reçoit m'a reçu. Il a envoyé les disciples. Les disciples ont enseigné les autres, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça continuait. Maintenant, à notre tour aujourd'hui, il y avait une promesse que Dieu devait nous envoyer un prophète. Et quand ce prophète est venu, nous avons vu qu'il a pris la Bible et il a expliqué tout ce que les apôtres ont fait. Jusqu'au point de prêcher aussi sur la communion fraternelle. Et c'était même ça. William Branham a prêché cela. Il a prêché la communion. Il a pratiqué aussi. J'ai une brochure ici intitulée La communion. Il a pratiqué le lavage des pieds. Il a pratiqué tout ça. Et il nous dit, nous tous qui croyons à ce message, ou à son évangile qu'il a apporté, le gospel qu'il a apporté, voilà les recommandations divines que Dieu nous a laissées. Il a appelé ça les trois ordonnances de Dieu. Ok. Je suis dans cette brochure intitulée La communion. Il dit que le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est une ordonnance. Le Seigneur a dit qu'on baptise les gens. Maintenant, le lavage des pieds, c'est une recommandation. C'est une ordonnance divine. Il dit encore, la Sainte Cène, la communion que nous donnons. C'est ça, c'est comme ça que quand lui a fait ça, nous tous les prédicateurs qui croyons ces messages, nous les pratiquons aussi. Bien-aimés frères dans le Seigneur, tous les chrétiens, partout où vous allez vous retrouver dans le monde, aussi longtemps que nous sommes encore dans ce monde, nous sommes censés respecter les recommandations divines, les ordonnances que le Seigneur Jésus nous a laissées. Il a dit que quand vous allez pratiquer ça, c'est en mémoire de moi. Et en les pratiquant, vous serez heureux, vous serez béni. Ce que moi je peux demander à tout homme de Dieu, tout prédicateur, évangéliste, pasteur, apôtre, prophète, docteur, c'est d'enseigner les pratiques divines ici aux enfants de Dieu comme ça se trouve dans la Bible. Nous ne devons rien négliger. Il y en a qui prennent seulement la communion, mais le lavage des pieds, ils font passer ça comme cela, et sous silence, ils n'en parlent plus. Mais le Seigneur a dit que si quelqu'un ne fait pas aussi le lavage des pieds, n'a pas part avec lui. Comme il l'a dit à Pierre, si tu ne le fais pas, tu ne dois pas être avec moi. Maintenant, si vous êtes chrétien, vous faites une partie de la parole, une autre partie de la parole, vous ne faites pas, vous annulez tout, votre foi est nulle. Il faut tout faire. Toutes les recommandations que Dieu nous a données, nous sommes censés enseigner ça à l'Église, aux enfants de Dieu, pour que nous puissions les pratiquer. Parce que derrière toute recommandation là, il y a des bénédictions qui sont attachées à ça. Nous sommes dans la commune d'Engaliema, sur l'avenue Mbanzapa, numéro
39, quartier Finda, en République démocratique du Congo, à Kinshasa, bien sûr. Notre église s'appelle Agapao Gospel Tabernacle. Nous vous remercions. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission 2 milliards de chrétiens qui a réussi pour vous cet homme de Dieu, l'homme de Dieu, le docteur Christian Bivan Bialoa, docteur responsable de l'église Agapao Gospel Tabernacle. C'est avec cet homme de Dieu que nous avons parlé de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, et le thème que nous avons développé avec cet homme de Dieu, c'est communion fraternelle et le lavage des pieds. L'homme de Dieu nous a interpellé, l'homme de Dieu nous a précisé, l'homme de Dieu nous a donné les recommandations qui ne viennent pas de lui, et ces recommandations que le Seigneur a placées dans sa parole, c'est que au-delà de ce que nous sommes en train de faire, le baptême d'eau que nous avons toujours l'habitude de faire dans nos églises, la Sainte Cène que nous pratiquions dans nos églises, il faut aussi ajouter cela qui est une recommandation, le lavage des pieds. Et ce lavage des pieds, lavage des pieds, nous ne pouvons pas les dissocier. Une fois terminé, nous allons directement au lavage des pieds. Donc, c'est une interpellation pour nous, hommes de Dieu, Église du Seigneur, pour que nous les pratiquions vraiment, parce qu'il y a une bénédiction à chaque acte, à chaque recommandation. Il y a toujours une bénédiction attachée à cela. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Vous nous suivez de partout, Kinshasa, Brazzaville, même aux environs. Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous remercions la grande équipe qui nous accompagne toujours. Platini Samba, Samba va Platini, mais entre nous soit dit. Fixons donc rendez-vous prochainement avec le même plaisir. Ciao.